Il y a des hameaux entiers qui ont été détruits par le glissement, et des maisons, et des écoles, et des fruitières, et tous des lieux de vie hein, qui étaient les lieux de vie de ces habitants de la montagne. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus que des ruines. Un glissement comme ça, c'est jamais terminé. Même si on a fait le maximum, même si on a bien récupéré l'eau, même si la forêt, elle est là, elle occupe le terrain, elle évite l'érosion, mais les épaisseurs de terrain sont telles qu'on n'est jamais tranquille. Donc la menace, elle est toujours là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait en bas des plages au dépôt qui peuvent éventuellement récupérer un glissement qui pourrait encore arriver dans cette zone. Être géoparc, c'est proposer aux visiteurs notamment un certain nombre de sites d'intérêt géologique aménagés, mis en valeur, pour lui expliquer l'histoire géologique de ce massif, de ce territoire, et lui faire comprendre les liens qui unissent l'homme et la terre sur un massif comme le massif des Bauges. On a donc travaillé, le parc naturel régional, sur la mise en valeur d'une bonne cinquantaine de géosites sur les territoires du parc. Et dans le paysage, on en voit plusieurs, hein, des géosites, des sites d'intérêt géologique, et en particulier au-dessus du Châtelard, sous la montagne du Juliose, cette zone-là qui a été le siège d'un glissement de terrain particulièrement intéressant au début du XXe siècle. Donc le géosite qui est derrière nous, donc il est construit sur un synclinal. C'est une cuvette, une espèce de gouttière hein, qui est façonnée dans ces calcaires urgoniens pour des surfeurs ou des skateurs. On appellerait ça un half pipe. Hein, c'est une belle gouttière. Et cette gouttière, eh ben, elle conserve des terrains beaucoup plus argileux. Donc il était bien tranquille jusqu'à ce qu'une échancrure à travers la barre calcaire attaque un petit peu ce massif et du coup déstabilise en fait ce remplissage argileux qui était juste là, bien tranquille. Le glissement de terrain du Châtelard, survenu en 1931, a été l'un des plus importants et des plus destructeurs de l'histoire des Alpes. Deux hameaux ont été détruits. Et trois autres ont dû être évacués à tout jamais. Qui se souvient de cette histoire aujourd'hui? Et qui sait ce que les hommes ont entrepris pour assagir cette terre déchaînée? C'est ce que les cinq grands maîtres de ce mont déserté vont vous raconter maintenant. En moi est gravée la mémoire du mont déserté. Je connais par cœur l'historique des glissements, chaque moment où la Terre se déroba. Je connais leurs causes et leurs effets. La Terre glisse ici depuis la nuit des temps. Mais sauriez-vous dire pourquoi tout s'est accéléré en ce mois de mars 1931? Mes grands-parents habitaient le village des Carons au Garin. Et en 1931, il y a eu donc le fameux éboulement. Et là, donc, ils ont tout perdu, les bâtiments et leur propriété foncière. La maison, elle est descendue, elle a disparu, quoi. Elle a disparu, elle s'est enfoncée et elle a disparu dans la boue. Le glissement de terrain du Châtelard a connu un dénouement dramatique entre le 12 et le 16 mars 1931. Il avait en fait commencé quelques mois avant, à l'automne 1930. Des crevasses étaient alors apparues dans les champs et les ruisseaux se tarissaient, malgré les fortes précipitations. En décembre, les fissures se généralisèrent dans le versant. Le 7 janvier 1931,
Elles étaient tellement béantes qu'on alerta l'administration et les ponts et chaussées. Des témoins furent placés, mais la neige recouvrit le tout et fit oublier le danger. Vous avez toujours l'espoir, je pense, que ça ne va pas arriver, ces choses-là. Il y a longtemps qu'il y avait des signes, des crevasses, des choses comme ça, mais ils ne pensaient pas que carrément toute une zone allait dévaler. Et pourtant si. Au début du mois de mars, les mouvements s'accélèrent sous les interminables pluies. Des dizaines d'hectares de prairies et de champs se déforment et s'affaissent. La terre, qui glisse inexorablement vers l'aval, entraîne dans sa course folle les maisons, les granges et les fruitières. Si les 7 familles du hameau des Michauds ont été évacuées début janvier, après l'apparition des premières fissures dans les maisons, les habitants des Carons sont partis, eux, au dernier moment. Le mobilier, je pense qu'ils n'ont rien récupéré. Ouais. Je vous dis, ils sont partis. Moi, ma grand-mère me disait qu'on ne pouvait plus ouvrir la porte. Donc la maison s'enfonçait. En recoupant avec les sondages géologiques, on sait qu'on a à peu près 6 millions de mètres cubes qui ont bougé. Ça, c'est énorme. Par contre, tout n'est pas arrivé en bas. En bas, on a au plus quelques centaines de milliers de mètres cubes qui se sont posés. La masse en mouvement a atteint le Châtelard environ 9 heures après s'être décrochée des terrains amont. Dans la vallée, elle avançait à la vitesse d'un piéton, lentement mais inexorablement. Après avoir rempli le lit du torrent, elle s'est répandue en plusieurs langues boueuses. Les 15 familles du hameau des Granges ont alors fui devant la menace, avec leur mobilier et leur bétail. Peu après, une maison et 2 granges sont balayées par la coulée. Le 14 mars, la route est coupée. Et le surlendemain seulement, les coulées commencent à se stabiliser. Même si les gens n'ont pas été touchés directement, je pense que ça a marqué la population locale. Parce que c'était une catastrophe, quoi, une catastrophe nationale, je pense, c'est remonté jusqu'à assez haut. C'est la ruine, c'est inhabitable, après c'est inexploitable. Il n'y a pas de retour, quoi. Vous avez la terre qui part sous vos pieds. Le glissement de terrain de 1931 a été probablement l'une des catastrophes naturelles les plus médiatisées de l'entre-deux-guerres. Journaux locaux et nationaux se sont relayés sur place pendant plusieurs jours pour raconter les maisons qui s'écroulent et les langues de boue qui avancent. Il n'a ainsi pas échappé à son lot d'exagération. Ce glissement de terrain n'en reste pas moins une immense catastrophe pour les 70 habitants du Mont contraints à un exil définitif et pour les habitants du Châtelard qui restaient sous la menace de nouvelles coulées boueuses. Pour les protéger, il fallait donc, coûte que coûte, stabiliser les terrains en amont. Grand ordonnateur des sources et des ruisseaux, je connais la moindre résurgence, le plus petit filet d'eau, le sillon laissé par chaque onde dans le sol. Je commande rues et ruisseaux et les guide sur la pente, dans ce réseau de veines creusées après la grande glisse. Je connais les procédés pour filtrer l'eau. Je veille à faciliter toujours et encore son évacuation, pour que jamais plus elles ne viennent engorger cette terre instable. Face à l'ampleur de la catastrophe du mois de mars 1931, l'État rachète aux habitants du Mont leur terrain dévasté et crée la forêt domaniale. Des travaux titanesques sont alors entrepris pour assécher les terrains et emmener l'eau loin des terres argileuses. En quelques années, près de 17 km de drains sont ainsi réalisés par les ouvriers des eaux et forêts. Les drains, ils nous servent d'abord à assécher le terrain. On va également capter les sources qui sortent du terrain, récupérer l'eau, et une fois que cette eau est mise à ciel ouvert, on va la conduire tranquillement par un petit système de canal, de collecteur, pour éviter qu'elle ne vienne s'infiltrer dans le terrain. On sort l'eau du terrain et on l'emmène bien loin, hors des terrains qui glissent. C'est un peu comme les arêtes de poisson. On récupère l'eau dans des petits canaux et puis ça vient dans des plus gros.
on est beaucoup plus gros. Et en fin de compte, on se rejette dans un torrent naturel qui est le Nant des Granges. Deux types de drains ont été réalisés par les forestiers de l'époque. Les drains fermés, qui permettent de capter les sources jusqu'à 4 ou 5 mètres de profondeur. Et les drains ouverts, qui collectent les apports des drains fermés et les eaux de surface. Les bacs de décantation, réalisés plus récemment, permettent quant à eux de filtrer l'eau et ainsi d'éviter de boucher les drains fermés. Ici, un drain ouvert qui arrive de la forêt, dans lequel tombent des branches, des cailloux, du sable, des feuilles, qui viennent se stocker dans le bac de décantation. À côté, on a un drain fermé, on le voit bien, un drain qui fait à peu près 1 mètre de profondeur. Donc lui, il est protégé de tout ce qui va tomber, qui vient des arbres, ou des animaux qui passent, ou du terrain qui peut glisser, alors que celui-là, ce gros drain ouvert, il récupère tout. Et si je laisse les matériaux emmenés par ce drain ouvert passer dans le drain fermé, je vais le boucher. Donc là, j'ai un système de protection qui va stocker, bloquer, et tout ce qui sort, c'est de l'eau qui est très propre, qui est très claire, qui va pouvoir transiter facilement dans le drain fermé. Quand les forestiers 1930 ont imaginé les travaux, ils ont dû observer comment la nature fonctionnait, marchait dans le site du Nant des Granges. Ils ont observé que les filets d'eau coulaient dans des combes particulières, que les sources sortaient à des endroits précis, et on a installé le réseau de drainage en se calant sur ce que la nature avait posé. On n'a pas été emmener des ruisseaux, les déporter, les faire couler là où la nature ne les avait pas placés. On a respecté l'équilibre général que le glissement et le terrain avaient mis en place. On s'est vraiment calé dessus, on a collé au terrain. En ce sens, c'est une sorte de respect de la nature, de ce que la nature avait posé. La surveillance et l'entretien de ce dispositif sont aujourd'hui essentiels pour assurer la stabilité des terrains du Mont Déserté. Chaque année, le service de restauration des terrains en montagne ausculte les drains fermés grâce à des petites cheminées de visite, en forme de gros champignons. Si l'eau coule bien à l'intérieur, c'est que le drain remplit son rôle. Si elle ne coule pas, c'est qu'il faut se poser des questions. Là, je vais voir en quel état il est. C'est un drain assez profond, à peu près à 2 mètres. Bah, toutes les cheminées sont en bon état, dessous ça coule. Bah, c'est bien, ça remplit son travail. Il faut aussi parcourir les drains ouverts, vérifier que les pierres ne se déchaussent pas, qu'ils ne sont pas encombrés par la végétation et les bois morts. Et surtout, il faut les débroussailler sur des kilomètres pour éviter que les jeunes pousses ne déstabilisent les ouvrages. Cet entretien, indispensable pour que l'eau ne vienne pas à nouveau engorger les terrains, coûte entre 25 et 30 000 euros par an. Ce n'est pas rien. Mais franchement, sur un sol comme ça, il vaut mieux les entretenir, ces ouvrages. C'est bien plus que de la terre sous vos pieds. Ce sont des couches, des strates. Chacune le résultat de millions d'années d'activité terrestre. Moi seul connais la nature du sous-sol, ses mouvements internes, ses faiblesses et ses forces, ses interactions. Naïf, celui qui croit pouvoir s'installer partout en terre conquise. Ce qui est intéressant ici, c'est que comme on est dans la zone sommitale de la cicatrice d'arrachement du glissement de 1970, on n'a pas trop de dénivellation entre le sommet des terrains qui n'ont pas bougé et puis ce talus-là assez raide qui marque la séparation entre les terrains en place et puis les terrains qui ont bougé et qui sont aujourd'hui en contrebas, hein, décalé, c'est comme une marche d'escalier. Donc c'est un peu une bombe à retardement, ça, hein, ça peut encore partir, d'où l'intérêt de continuer de drainer, de surveiller et de faire des ouvrages de protection à l'aval. Donc là, on est vraiment dans la partie amont, hein, au sommet de la zone qui a glissé en 1970. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur quoi la moraine a glissé, c'est-à-dire sur cette roche qui est de la molasse. C'est une roche sableuse avec quelques bancs plus graisseux, hein, du sable consolidé. Et elle a à peu près une vingtaine de millions d'années.
Et cette roche donc de l'ère tertiaire est une roche marine, d'origine marine. C'était la mer qui bordait les Alpes en train de naître, dans laquelle les sables apportés par les fleuves côtiers se sont déposés. Donc là, c'est les bancs gréseux de la molasse, hein, c'est-à-dire des sortes de sable durci. Si je les broie, on voit bien que c'est sableux. La molasse sert aujourd'hui de plan de glissement pour les dépôts beaucoup plus récents. Ceux des moraines que les glaciers ont déposés ici il y a environ 30 000 ans. À l'époque, les Alpes existaient, étaient formées, puisqu'elles se sont formées à l'époque des molasses, hein, il y a 20-30 millions d'années. Donc évidemment, il y a 30 000 ans, le paysage ressemblait déjà à celui-ci, sauf qu'il faut l'imaginer totalement couvert de glace. C'est un effort d'imagination important, mais il y avait près de 1000 mètres d'épaisseur de glace, hein, dans la vallée ici, des glaciers qui venaient de l'intérieur des Alpes, du Mont Blanc, des grandes chaînes de montagnes, et qui débordaient par-dessus les cols des Bauges pour envahir tout le massif. Et c'est ces glaciers qui ont déposé ce matériel morainique formé de débris de roches qu'ils amenaient comme un immense tapis roulant et qu'ils ont même amené jusqu'à Lyon. Formée d'un mélange de terre, de blocs et de cailloux, très argileuse, la moraine peut gonfler, se déformer, voire se fluidifier quand sa teneur en eau augmente. Avec la pente, elle glisse alors inexorablement vers l'aval. Cette moraine est le principal matériel qui va alimenter les glissements, qui va subir les glissements de terrain du secteur des Garins, du Nant des Granges. Et il y en a plusieurs dizaines de mètres accumulés qui sont véritablement de la chair à glissement de terrain pour le secteur. Voilà donc la matrice argileuse de notre moraine glaciaire, qui est vraiment le matériel qui subit les glissements lorsqu'il est saturé d'eau. Il commence un petit peu à sécher parce que le soleil donne, mais ces jours-ci, il a été abondamment arrosé. On va faire une petite crevasse là. On met de l'eau à l'amont. On voit bien d'abord que c'est imperméable, hein, ça ruisselle. Ça imbibe un petit peu quand même. Et ce qui est imbibé va facilement pouvoir dégouliner après. Donc ça, c'est en miniature ce qui s'est passé en 1931. Aussi glissante soit-elle, cette terre a toujours été fertile. Elle l'était avant 1931 pour les pâturages. Elle l'a été après pour la forêt plantée. Aujourd'hui, le chant des oiseaux enchante cette forêt. Auparavant, le meuglement des vaches et le tintement de leurs cloches dominaient ces terres. Pas un arbre à l'horizon. Des pâturages entouraient les maisons. Planter. Il a fallu planter chaque once de terre pour tenter de la retenir. Des dizaines de milliers d'épicéas plantés par une brigade d'ouvriers. Une armée de résineux pour combattre le glissement de terrain. Donc nous sommes dans la cabane de la pépinière qui aujourd'hui sert de cabane de chasse, mais qui à l'origine servait de bâtiment pour la pépinière qui servait à planter toute la zone de pâture de la forêt domaniale. Donc sur cette photo, on reconnaît la cabane, des zones assez planes qui permettaient de stocker et faire pousser les plants destinés à la plantation des zones de pâture. Donc là, on peut voir quelqu'un en train de travailler. Là, toute cette zone autour, il y a plus que de la forêt. C'est même difficile de s'imaginer qu'il y a moins d'un siècle, c'était complètement différent. Pour compléter le travail de drainage du versant et protéger le châtelard de nouvelles coulées boueuses, l'État entreprend, juste après le glissement de 1931, de reboiser plus de 150 hectares de terrains dévastés. C'est l'un des plus gros chantiers de reboisement de la Savoie. Pour créer de toutes pièces cette forêt de protection, le service des eaux et forêts de l'époque fait le choix de l'épicéa. En fonction des sols, en fonction de l'altitude, des conditions de cet endroit-là,
on peut penser que l'épicéa était un bon choix. Après, à l'époque, on faisait des plantations monospécifiques, donc avec une seule espèce, une seule essence. Aujourd'hui, on serait certainement parti sur des essences mélangées. Pour que la forêt remplisse ses différents rôles de protection, de production, d'environnement, d'accueil et de paysage, un mélange d'essences est en effet indispensable. Il est aussi nécessaire que les arbres n'aient pas tous le même âge pour éviter d'être récoltés en même temps et voir des zones entières de forêt disparaître. Or, dans la forêt domaniale du Nant-des-Granges, ils ont tous été plantés en même temps. On peut voir là des replats qui étaient des zones favorables aussi pour l'agriculture, qui ont été plantées, et ça ressort très bien ici. On a vraiment une plantation d'épicéa monospécifique qui a tout à peu près le même âge, à peu près le même diamètre, donc qui est venue après habiter cette zone. Donc on peut, en un coup d'œil, voir, comprendre ce qui s'est passé. L'Office national des forêts travaille donc ici pour atteindre progressivement ce double objectif de mélange d'essences et d'âges différents, en enlevant les gros arbres en plusieurs fois et en conservant les jeunes sapins et feuillus qui s'installent naturellement. Le choix des arbres à couper prend en compte notamment leur maturité, leur densité, leur état de santé et surtout le besoin d'apporter la lumière salvatrice aux jeunes générations issues des graines des arbres adultes. On parle alors de régénération naturelle. Le travail de l'agent patrimonial consiste dans ce cadre à marteler les arbres. Il s'agit de marquer ce que l'on va faire couper. Donc, pour marteler un arbre, on utilise un marteau forestier. C'est d'une part une partie hache et d'autre part une sorte de tampon, c'est le sceau de l'État. Et donc, pour marquer un arbre, on va faire sauter l'écorce de l'arbre. Comme ça, et après avec la partie tampon, on va mettre un coup et appliquer le sceau sur le tronc. Donc on va faire une première marque au tronc, la deuxième marque, ce qu'on appelle la marque au pied. Voilà, on la fait sur une racine. On met aussi le sceau de l'État dessus. Et cette marque, c'est la plus importante, puisque une fois que le bûcheron aura coupé l'arbre et que le tronc, la grume, sera partie, il ne nous restera plus que la souche comme preuve, comme quoi l'arbre était bien à exploiter. Voilà. Donc c'est un moyen de contrôle. Aujourd'hui, la forêt domaniale du Nant-des-Granges est une des rares forêts de protection à être devenue avec le temps une véritable forêt de production. Si elle limite l'érosion des sols et pompe une partie de l'eau grâce à l'évapotranspiration, on sait malgré tout à présent qu'elle a un impact limité sur le phénomène de glissement. Il est en effet beaucoup trop profond pour que le système racinaire des arbres puisse jouer un rôle. D'ailleurs, la terre continue ici de bouger. Je veille sur le royaume du pencher. Je traque les failles pour savoir quand la terre va glisser à nouveau. Naïf celui qui croit que la pente est désormais stabilisée. Chaque année, je relève l'emplacement de mes repères qui captent l'infime glisse, le mouvement, l'échappatoire. La pente se meut imperceptiblement, mais qui en a conscience ? Le glissement de terrain du Châtelard ne s'est jamais complètement stabilisé. Plusieurs réactivations ont eu lieu en 1944, 1957, 1984 et 1992. À partir de cette date, le service de restauration des terrains en montagne de la Savoie a décidé de mettre en place un système de suivi des déplacements du sol. La position d'une vingtaine de bornes, implantées dans les zones les plus actives, est ainsi relevé une fois par an au GPS. C'est aujourd'hui le jour des mesures, mais il faut encore couper quelques arbres pour que les bornes soient correctement dégagées. On n'a pas fait dégager une surface suffisante, donc le signal GPS ne va pas être de bonne qualité. Donc ça tombe bien comme l'équipe est là, l'ouvrier, elle va nous recouper quelques arbres pour que la trouée soit complète, que le signal de satellite puisse être bien reçu.
qu'on puisse avoir une bonne mesure entre le satellite et la borne. Pour faire la mesure, on se place au-dessus de la borne implantée dans le sol. On installe le GPS et on lance l'appareil. Elle dure environ 15 minutes. On se déplace ensuite sur une autre borne et ainsi de suite jusqu'à les avoir toutes relevées. Chaque seconde, l'appareil reçoit le signal de tous les satellites à sa portée. En une quinzaine de minutes, on obtient donc 800 points de mesure. Une fois ces données traitées et corrigées, on obtient un seul point de mesure pour chaque borne observée. Au final, il n'y a plus qu'un point. Sur les 800 points, il conserve les meilleurs points. Et avec ces meilleurs points, il fait une moyenne. Et cette moyenne nous donne le résultat d'un seul point qui nous sert après à suivre le glissement. Et ça, pour chaque point. Alors c'est sûr, plus on a de points, plus on est précis. Là, il reste 35 points à prendre et on va terminer la mesure. Et 800. Voilà. Année après année, il est donc possible de suivre l'évolution du glissement, les mouvements du sol à quelques centimètres près. Les déplacements qu'on peut observer ici sont très, très inégaux. Encore une fois, je le redis, c'est l'enneigement, les précipitations du printemps qui vont accélérer le glissement. C'est un peu ce qui s'est passé en 1931. Certains hivers, ça ne bouge pas. Quand ça bouge, on peut observer jusqu'à 1,50 m dans l'hiver. Le terrain s'est déplacé vers l'aval d'1,50 m. Les arbres sont toujours là, il n'y a pas de fissures, en tout cas pas ici. Elles sont en amont, bien visibles. 1,50 m, c'est quand même c'est pas rien. Plus en amont, les fissures sont en effet bien visibles. L'arbre bleu est là pour vous attirer et vous les montrer. Le terrain se décroche, la terre s'affaisse, les racines des arbres sont mises à nu. Plus en aval, la pente s'accentue et le torrent du Nant des Granges s'engouffre dans la gorge des Manneaux. On a donc construit un gigantesque escalier, une succession de 10 barrages qui l'empêchent de creuser le fond de son lit, d'emporter ses berges et de déstabiliser à terme la zone en mouvement. Ici comme ailleurs, il faut donc les entretenir, ces ouvrages, et continuer de surveiller la terre qui glisse pour déceler d'éventuelles aggravations. Depuis le début des mesures, les mouvements observés n'ont pas été assez inquiétants pour justifier le déclenchement d'opérations d'évacuation du Châtelard. Mais qui peut dire que jamais cela n'arrivera ? Ce jour-là, digues et barrages seront appréciés à leur juste valeur. Plus bas, près des granges, les habitants ont récemment repris la lutte. Leur génie technique n'a eu de cesse de s'améliorer. Ils ont construit des ouvrages titanesques, des digues et des barrages de plus de 8 mètres de hauteur, des plages de dépôt gigantesques pour arrêter un nouveau glissement. Allons les étudier, mais sachez que jamais ouvrage d'homme ne s'avérera insurmontable pour les forces naturelles. Treize ans après la catastrophe de 1931, de nouvelles coulées de boue envahissent le Châtelard. La terre monte jusqu'au deuxième étage d'une maison des granges et menace la gendarmerie qui doit être évacuée en urgence. Une grange s'effondre finalement sous la poussée de la boue. La protection du Châtelard devient une priorité. Et en 1945, une première digue est édifiée grâce aux premières pelles mécaniques. Mais en 1970, un nouveau glissement, au sud de la zone affectée en 1931, réveille encore les consciences et rappelle le danger. Mon père faisait partie de la compagnie des sapeurs-pompiers du Châtelard et le maire donc ordonnait à tour de rôle une visite, un suivi de l'éboulement. Et un dimanche matin, j'étais monté avec lui, donc j'avais autour de 18 ans. On était à la gorge des Manneaux
Et quand on est arrivé, il y avait un bosquet d'une, on va dire, une quarantaine de sapins. Donc la moitié était cassée. Cassée à peu près. Les troncs étaient cassés à 4 mètres. Mais ils étaient encore debout. Et on voyait qu'ils bougeaient. Et le lendemain, on est retourné voir ce bosquet. Ce bosquet, il était à l'horizontale. Et quelques jours après, le bosquet était à nouveau debout. Donc ça explique bien le mouvement de terrain, la puissance qu'il y avait au sous-sol. Ouais, ça m'avait marqué, ça. Ouais. Et puis donc, le passage de la gorge des Manos, quand les troncs, les rochers basculaient, faisaient le saut, c'était un coup de tonnerre. La question de la protection du Châtelard n'était donc toujours pas réglée. Au début des années 1990, les premières idées modernes sur les plages de dépôt voient le jour grâce aux nouvelles connaissances technologiques et aux exemples réalisés à l'étranger, notamment en Suisse et en Italie. Terminées en 2009, les plages de dépôt du Châtelard sont aujourd'hui l'un des plus gros ouvrages de ce type en Europe. Voilà, nous sommes au milieu des trois plages de dépôt, dans le casier numéro 2. On appelle ça des casiers, des sortes de réceptacles. On est sur la digue. Ici, vous avez toute l'enceinte qui va servir à récupérer les coulées de boue qui pourraient venir du glissement de terrain du Don des Granges qui se trouve au-dessus de nous. Première plage de dépôt à Mont qui va arrêter son volume. Quand c'est plein, ça déborde. Ça va suivre le chenal. Ici, on a un chenal en enrochement qui est assez solide. Et puis, ça vient tomber dans la deuxième plage ici. On va encore pouvoir garder des matériaux. Puis alors, derrière, après, on termine juste avant le pont sur la route départementale sur la troisième plage de dépôt qui est beaucoup plus petite et qui va être le dernier filtre avant le village du Châtelard. Donc, les ouvrages. C'est un mélange de béton et de pierre, des très gros enrochements qui sont maçonnés. 6,50 m de hauteur pour la partie bien carrée, et puis le reste de l'ouvrage, là on est à 8 mètres. Les digues, ça a demandé la mise en place de milliers de mètres cubes de matériaux. Vraiment, on est sur des gros ouvrages, c'est quand même assez rare qu'on fasse des ouvrages aussi hauts. Là, on va arrêter à peu près 100 000 mètres cubes. Donc on est parti du principe que tout ne partait pas, que même si ça commençait à partir, ça arrivait par petits morceaux. Pas oublier que dans la gorge des Manos, on a une sorte de filtre, comme un calibre, qui va réguler le volume des coulées de boue. C'était comme ça en 31, ne passait là-bas que le surplus. Ce surplus, on est capable de le gérer ici dans les trois plages. Et puis on a, par rapport à 1931, des moyens modernes, beaucoup plus rapides pour pouvoir creuser, poser dans des camions, évacuer. Et on se dit qu'ici, c'est plutôt un espace de tampon qui va nous permettre de faire face au phénomène, mais surtout pas de pouvoir stocker 6 millions de mètres cubes, qui est quand même une masse vraiment, vraiment importante. Ici, pas besoin de débroussailleuse. Ce sont les vaches qui entretiennent les digues. C'est pour elles un petit alpage de secours et pour le service de restauration des terrains en montagne, une économie d'entretien. Elles sont pour le moment bien tranquilles. Mais jusqu'à quand ? Et seront-ils réellement efficaces, ces ouvrages ? Alors, est-ce que c'est efficace, ces ouvrages ? On ne sait pas. On ne sait pas parce que le glissement de terrain qui va venir, on n'en connaît pas la force, on n'en connaît pas l'amplitude. Ce qui est certain, c'est que si on avait le même événement qu'en 1931, tout s'arrête là, ça c'est sûr. De ce côté-là, j'ai aucun doute. Parce que le terrain a été préparé, parce qu'on a des moyens de déblaiement, des moyens de terrassement qui sont autres que ceux de l'époque. Donc la coulée de 31 ici, on serait tranquille. Après, plus gros, on ne sait pas. Il faut accepter de ne pas savoir. Thank you.
Il faut imaginer qu'il y a quelques jours encore, ces racines, elles étaient dans le terrain. Et là, maintenant, elles sont mises à nu. Voilà. On dirait des branches, mais ce ne sont pas des branches, ce sont des racines. C'est impressionnant, on a la formation de petits lacs, on a ces lèvres de glissement qui sont tout en arrachement. C'est vraiment une belle manifestation de la remise en mouvement de ce glissement qui a commencé en 1931.